Ils ne vont pas se défendre contre des personnes. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une lutte de clans, mais c'est plutôt le début de la chasse à la battue. Vous savez, la chasse à la battue, c'est cette pratique très ancestrale à laquelle s'adonnent les jeunes. Ils voient la chasse donc de petits gibiers, des gibiers moyens, dans les endroits les plus reculés, histoire donc de pouvoir non seulement se défouler, mais avoir de la viande dans la casserole au soir de la chasse. Et cette activité se pratique généralement au début de la saison sèche, sinon pour dire au milieu de la saison sèche. Nous sommes déjà en janvier, donc c'est le début de la chasse à la battue. Et aujourd'hui, c'est le premier jour. Il y a donc plusieurs manifestations. Ça se passe de plusieurs façons. Et Golf TV est là pour vous faire vivre tel que ça se passe de bout en bout. On vous fera vivre les moments forts de cette chasse à la battue, qui est une chasse d'endurance avec beaucoup de complications, beaucoup de difficultés. Merci de nous suivre. La chasse à la battue est une activité bien aimée par les jeunes, surtout la région Nord. Cette activité est bien organisée. Avant d'entrer en brousse, des rituels sont accomplis. Là, ce qui se passe actuellement, c'est le rituel qui permet de conjurer le sort avant d'entrer dans la brousse. Puisque je le disais, évidemment, nous sommes en Afrique et l'Afrique a ses réalités. Évidemment, il y a des esprits dans la brousse, il y a aussi des conflits qu'il faut éviter. Pour éviter tout ça, avant d'entrer dans la brousse, il faut conjurer le sort. Et cette pratique est réservée particulièrement au roi chasseur. Et là, vous voyez donc le roi, le chef chasseur qui est en train de, avec ses coéquipiers, en train d'accomplir ce rituel. Il est le seul pratiquement, lui et ses coéquipiers, à maîtriser donc le processus de ce rituel. Ce qu'il faut faire pour conjurer le sort, c'est d'ailleurs ça qui fait de lui le chef des chasseurs, le roi chasseur. Donc, et ensuite, dès que ça va finir ce rituel, ils auront le droit maintenant d'entrer dans la brousse pour commencer la chasse. Évidemment, on n'a pas le droit de s'approcher normalement de plus près, mais de façon exclusive, on vous fait vivre donc ces images parce que c'est le couvent de la chasse à la battue. C'est-à-dire donc que nous sommes actuellement dans ce couvent. C'est souvent un couvent improvisé, mais évidemment, tout le monde n'a pas le droit de s'y approcher, mais là, vous avez le droit de voir comment ça se passe, évidemment, donc, mais on n'a pas tous les secrets. Et voilà donc. Après le rituel, c'est l'entrée dans la brousse. Pour la chasse proprement dite, un périple pas très facile. Bon, je n'ai pas de secret. Ça là, c'est Dieu qui donne. Et encore, j'ai un chien méchant qui n'aime pas voir la paix vivant, perdre vivant. Et voilà que moi, je suis toujours élégant pour pouvoir lancer. Voilà mon secret. J'ai commencé la salle depuis tout petit. Parce que je suis Bariba. Père Bariba, maman Bariba. Donc moi, je me suis levé dedans. Il y a des fois même, je vais faire une semaine, je viens, je ne tue pas. Mais je ne me fasse pas. Parce que je suis déjà habitué, ça arrive. Le jour a la chance, je tue même jusqu'à 5. Après plusieurs heures en brousse, la chasse est terminée. Ceux qui ont tué des gibiers sont obligés de les remettre en vertu d'un règlement qui stipule que chaque gibier tué le premier jour appartient au chef chasseur. Vous avez vu les images. Nous avons fait pratiquement près de 3 heures de temps dans la brousse pour voir comment ça s'est passé, cette chasse à la battue. Beaucoup sont allés à l'assaut de ces gibiers, ces petits rongeurs. Mais évidemment, tout le monde ne s'en est pas sorti avec quelque chose. Mais ça ne décourage pas, ça n'empêche pas de revenir demain parce que c'est le début de la chasse. Vous avez vu donc tout ce qu'il y a eu comme mouvement dans la brousse. Et même moi-même, je suis rentré dans la brousse et on est allé à la chasse. Évidemment, je n'ai rien tué, mais c'est quand même bien de vivre cette aventure. Et c'est une culture africaine, la chasse à la battue. Beaucoup sont venus, ils n'ont pas tué, mais ils sont très contents. C'est vrai, avec un peu de fatigue, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça. Et à la fin de cette chasse, évidemment, comme ça se passe, comme vous êtes en train de le constater, le premier jour,
tout ce qui est tué est repris, comme le disait donc le chef chasseur à l'entame, pour être distribué aux chefs, aux têtes couronnées de la ville. Donc c'est la règle et tout le monde la respecte. C'est comme ça à la chasse, lorsqu'on établit des règles, vous la respectez. Vous voyez donc que tous ces gibiers ont été récupérés. C'est bon. Vous-même, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui. Sympa, je vais parler beaucoup parce qu'aujourd'hui, c'est une joie pour nous. Chaque année, on tue, mais pour cette année, vraiment, on rend grâce à Dieu. Oui, tout le monde, toute la jeunesse de la ville de Parakou, ils sont collaborés. Parce que le premier jour là, le premier jour, ça m'appartient. Ça m'appartient. Et également avec nos autorités, nos imams, nos têtes couronnées de la ville de Parakou, les mamans, la vieille, les vieilles qui ne sont pas, les vieilles qui sont à la maison, et tous maintenant, ce que vous allez voir, mais on va tout partager avec nos autorités qui sont à la maison.